Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur ce soir? Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié. Il est merveilleux, il n'y a point de Dieu semblable à lui, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que son nom soit glorifié, soit magnifié. Il nous a donné la vie, il nous a donné la santé. Il mérite la gloire et l'honneur. Alléluia. Que son nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus dans notre culte du mardi. C'est normalement l'école de l'esprit et du réveil, notre culte d'enseignement à l'église Porte des Cieux. Mais voyez, avec le confinement, les programmes ont été légèrement bouleversés. Nous suivons le mouvement de l'esprit selon un besoin qu'il a dans le cœur ou bien auquel il veut répondre dans le cœur des gens. Et voilà pourquoi chaque semaine, les programmes varient un peu. Mais néanmoins, c'est notre culte d'enseignement. C'est le culte mis à part, donc hebdomadaire de notre Église, durant lequel nous enseignons la parole. Ce n'est pas un culte de puissance, des miracles ou de délivrance. C'est juste l'enseignement de la parole. Et c'est un culte que nous aimons beaucoup. Principalement, moi, c'est mon culte préféré. Mais néanmoins, puisque nous sommes tous dans la vague de dépistage, nous sommes encore là pour une nouvelle série sur le dépistage, dépistons-nous vivants. Alors, ce soir, nous parlerons, ce soir, vendredi et à la suite, d'un thème très particulier. Mais bien avant, je vais d'abord dire bonsoir à ceux qui sont avec moi ici. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Vous allez bien? Ça va? D'accord, on va avoir l'habitude comme ça de varier les membres de l'église, les papas, les mamans, les jeunes, et pour prendre part à ces cultes. Nous sommes vraiment dans la joie. J'espère que vous allez bien. Le confinement se passe bien aussi. D'accord. C'est déjà la saison sèche qui est en train d'arriver. Quelques jours, hein, donc mai, juin. Ok, en Afrique du Sud, c'est déjà ce qu'on appelle winter. Donc, il fait très froid jusqu'au mois d'août approximativement. Mais sinon, nous sommes de la joie. Qu'il fasse froid ou chaud, il fait toujours chaud dans nos directs. Et ici, que ce soit un dimanche matin, dimanche soir, durant la semaine ou même les mardis, nous sommes dans la joie d'être là parce que nous savons que les messages sont toujours poignants, sont toujours percutants et il y a beaucoup de retours que nous recevons. On va encore acclamer très fort pour nos frères et sœurs. Vous êtes dans le monde entier, déjà ceux de la Porte des Cieux, nos partenaires, nos amis, tous les membres de la Porte des Cieux, de l'Église virtuelle, où que vous soyez, vous êtes les bienvenus et nous sommes très contents de vous avoir ce soir. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Papa, merci pour la soirée que tu nous accordes aujourd'hui de nous retrouver encore autour de la parole. Nous sommes ici, nous sommes aussi des milliers et des millions qui allons suivre ce message aujourd'hui ou plus tard. Nous te remercions, Père, de nous avoir gardé cette nouvelle semaine qui a commencé. Tu nous as gardé la bonne santé et la vie. Plusieurs sont hospitalisés, malades, même opérés. Mais nous sommes là et nous n'avons aucun mérite. Nous ne méritons rien de tout ce que nous recevons de toi. Voilà pourquoi nous nous écrions grâce, 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 grâce. C'est juste ta grâce, une faveur imméritée qui a bien voulu nous garder vivants et qui a bien voulu nous accorder le privilège et la grâce de venir encore pour rester les simples instruments entre tes mains par lesquels tu passes pour bénir des milliers de personnes. Accepte de bénir et de oindre ta parole. Visite-nous au-delà de toute attente et de toute mesure. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer très fort pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, bonsoir et soyez les bienvenus encore pour ceux qui nous rejoignent en ce moment. C'est vraiment une grande joie pour nous d'être là avec vous ce soir et de partager la parole de Dieu. Beaucoup de gens avaient réclamé les messages sur le dépistage. Je me devais d'abord de finir quelques points concernant le nouvel ordre mondial la semaine dernière. Mais sinon, nous sommes là, nous sommes bel et bien là. Soyez confortablement installés chez vous, soyez relax, soyez connectés. Nous allons passer de bons moments autour de la parole de Dieu. Et Dieu va nous faire du bien. Alors, je vais d'abord donner trois communications avant de commencer mon message. Numéro 1, vous allez voir sur ce statut, en bas, il y a un lien. Donc, le dernier lien que l'on a mis sur le statut de la vidéo, c'est un lien Telegram. Voilà, c'est un lien Telegram. Alors, au-delà d'être nos abonnés, mon ministère est la Porte des Cieux et la grande famille de tous ceux qui constituent cette famille. Certains sont de l'église, d'autres ne sont pas de l'église, constitués des hommes et des femmes. Vous aimez mon ministère, vous aimez mes messages, vous aimez ce que je fais par la grâce de Dieu. Et pour certains qui voudront même être des partenaires,
voilà, être au courant de nos activités, des prochaines activités, savoir comment venir ici à Kinshasa ou envoyer une offrande ou être partenaire. Finalement, nous ouvrons un grand groupe Telegram. Telegram donne une plus grande possibilité que WhatsApp. Comme ça, nous sommes très nombreux. Je pense que c'est plus de 20 000. Très nombreux, nous sommes là. Vous aurez en temps réel toutes les informations me concernant, mes voyages, mes déplacements, mes programmes, des messages prophétiques que je reçois, que je ne dis pas forcément devant tout le monde, mais je le dis dans notre groupe qui constitue la famille. Alors, c'est Église Porte des Cieux Global. Cliquez juste si vous téléchargez Telegram, vous y entrez et vous pourrez comme ça prendre part vraiment à l'atmosphère de la famille. Nous partageons tous les matins, il y a des exhortations qui viennent. On peut choisir quelqu'un de l'église, quelqu'un de l'extérieur. Il y a des messages que j'adresse aussi, des communications, ou quand il y a un programme spécial qui est annulé ou bien qui est reporté. Tout ce qui nous concerne, nous, est dans le groupe WhatsApp Telegram. Alors, venez dans ce groupe, téléchargez Telegram et cliquez sur le lien. Vous allez basculer directement sur notre groupe et vous pourrez joindre la famille sur ce groupe Telegram, qui sera une très bonne chose. La deuxième des choses que j'aimerais dire depuis dimanche, beaucoup de gens ont été touchés par l'appel que j'ai fait et je suis très reconnaissant. Je vous avais dit, par la grâce de Dieu, vous voyez comment nous travaillons, nous enseignons presque tous les jours différents sujets et des fois c'est des présentations ici et dans d'autres programmes auxquels nous sommes invités. Cette semaine, je serai avec mon jumeau, le bishop Idriss Ouattara, sur sa page, sur la mienne, on sera là jeudi, vendredi, samedi. Donc, on travaille durement. Nous sommes confinés, mais on n'arrête pas de travailler. Nous sommes là pour vous. On veut vraiment vous assister durant ce temps. Et j'avais dit, toutes les personnes qui se disent, « Ah, le ministère du prophète me bénit. » Beaucoup de gens disent, « Je suis vraiment béni en 2 mois. » C'est la plus belle chose qui me soit arrivée de découvrir les enseignements du prophète Joël. Si vraiment vous avez grandi, vous avez été édifié avec ces messages, d'autres gens même ont pris les messages, sont allés prêcher ailleurs ou se préparent à en faire autant. Anyway, je suis aussi enseignant et docteur de la parole. C'est pour cela que des fois, vous remarquez qu'il y a toujours de nouvelles choses qui viennent. Alors, vous vous dites, « Ah, ce ministère me bénit, ce ministère m'édifie. » Mais il faut toujours se poser la question, « Ce prophète fait beaucoup pour moi. Dieu fait beaucoup pour moi au travers de lui. Mais qu'est-ce que moi je fais en retour, à part les likes et les partages et les j'aime ?» Je peux exprimer autrement aussi mon soutien vis-à-vis de ce ministère. Voilà pourquoi ça n'a pas été une imposition, mais une suggestion. Mais une main tendue. Si vous avez vraiment à cœur de me tenir la main, de dire, prophète, pourquoi ne pas avoir une chaîne de télé? Pourquoi ne pas avoir une station radio? J'ai une merveilleuse équipe avec Ahmed et des caméramans, des hommes. Ils sont là 2 heures avant, ils partent une heure à passer après pour mettre les vidéos en ligne avec peu de moyens. Vous vous dites, j'aimerais envoyer un ordinateur, j'aimerais envoyer un iMac, un iBook, envoyer un logiciel qui va aider pour mieux travailler dans les montages, j'aimerais envoyer une caméra, j'aimerais envoyer un piano. Bref, je vais soutenir le ministère. Par exemple, le micro que j'ai ici, c'est une de mes filles qui était venue, ça fait quelque temps, j'ai prophétisé pour elle ici. Elle a dit, ah mon père, non, qu'est-ce que je peux faire? Et mon assistant a dit, non, tu peux trouver un micro à papa. Et moi, mon travail, c'est de prier, de jeûner. Et vous, votre travail, c'est aussi de me tenir la main. Alors, je travaille avec ce micro et beaucoup de choses qui viennent. Ce sont des hommes et des femmes comme vous qui faites cela. Alors, ça peut partir de 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50, 100, 500, 1000 ou même plus. Que ce soit en nature ou financièrement ou immatériel, vous pouvez refuser d'être indifférent en disant... Parce que des fois, les gens, ils suivent le live, il est tellement béni, il quitte, il va chercher un autre. Ce n'est pas toujours respecter ce que vous avez reçu. Enfin, pour donner la valeur à ce que vous avez, c'est aussi de se dire, non, je ne peux pas partir comme ça. Je clique sur le lien, j'envoie une offrande, parce que c'est toute une machine. C'est la connexion, parce qu'il faut qu'on vous dise franchement les choses. C'est la connexion qu'il faut payer, le carburant des fois qu'il faut payer. On est dans une zone industrielle ici, des fois l'électricité, c'est beaucoup de problèmes. Le loyer, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Mais dont nous ne parlons pas toujours. Mais j'ai eu à cœur vraiment de venir vers vous et de vous dire de nous tenir la main. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui disent « Gloire à Dieu, c'était merveilleux. Mais qu'est-ce que je peux faire pour ce ministère ?» J'achète des sacs à 3000 euros, j'achète des cabellos, des mèches et je fais beaucoup de choses. J'aide beaucoup de gens comme ça. Mais je peux aussi s'aimer dans ce ministère qui me bénit toujours. Et la dernière des choses que j'aimerais dire, tous ceux qui veulent vraiment de mon aide, de mon soutien. J'aimerais bien être omniprésent, omniscient, mais je ne le peux.
Mais sinon, maintenant, je veux vraiment me maximiser en cette saison de vous tenir aussi la main. Il y a des gens qui ont besoin de parler avec moi. Il y a des gens qui ont besoin vraiment d'entendre ma voix. Il y a vraiment des gens qui ont besoin de ma prière. J'aimerais vous dire, je vais encore me sacrifier, mais je vais faire vraiment de mon possible de répondre aux appels et d'être là. Alors c'est simple, allez sur le groupe Telegram maintenant. On va voir comment s'organiser. Comme ça, chaque semaine, je peux parler avec 20, 30 personnes au téléphone, vous appeler. Je prie, je parle pour vous, je prophétise pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, à la maison, Dieu m'a vraiment repris, je dirais même. Il m'a instruit, il m'a dit, il faut que tu sois là pour les gens. Il y a des choses que tu fais en prêchant, mais aussi d'autres choses. Quelqu'un doit entendre ta voix. Tu dois prier pour quelqu'un. Tu dois encourager quelqu'un. J'aimerais être là pour vous. C'est simple, Telegram, et on verra comment arranger cela avec vous pour que j'ai au moins le temps chaque semaine de parler avec les gens. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On peut acclamer pour le Seigneur très fort. Gloire à Dieu. On peut faire plus que ça pour Jésus. Merci. Amen, amen. Alors, ce soir, je vais introduire. Ok? Je vais introduire et cette introduction est extrêmement importante. J'insiste. Ce soir, je vais introduire et cette introduction est extrêmement importante. En tant que prophète, mais aussi docteur, je ne voudrais pas aborder ce thème des femmes maries de nuit comme vous le verrez sur Internet. On vous dit, on vous parle juste, ce sont des démons, incubes, succubes. On pourra vous dire leurs origines, les portes d'entrée, comment être délivré. J'aimerais, avec la petite connaissance que j'ai du monde spirituel, vous permettre d'avoir une vue globale des activités qui se passent dans le monde spirituel, qui se passent la nuit, qui se passent le jour, qui se passent dans le domaine sexuel. Pourquoi seulement dans le domaine sexuel? Et comment cela se passe et comment on peut être délivré de cela. Alors, je vous présenterai quelques définitions, peut-être que vous n'avez jamais réalisées, sur ce qu'on appelle être marié la nuit. Vous avez vu le thème, j'ai dit urgence, je suis marié la nuit, c'est ça? Je suis marié la nuit. Alors, je n'ai pas voulu parler de femme de nuit, mari de nuit, parce que c'est peut-être génériquement ce qu'on utilise. Mais les réalités des actes sexuels dans les songes, dans les rêves, d'autres même c'est comme ça, hein? Il est là, il sent vraiment qu'on le touche. C'est pas dans un rêve qu'il a vu ça. Quelqu'un me comprend? Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut dire et ma part c'est de vous emmener un peu au-delà de ce que vous avez toujours entendu. Alors je vais vraiment vous dire des choses qui vont vous choquer, vous troubler et vous allez avoir une vue un peu plus globale de la problématique. Ça peut te concerner, concerner ton fiancé, ta fiancée, concerner ton mari ou ta femme. Ceux qui tournent autour des maris de nuit, femmes de nuit, actes sexuels dans le sommeil et toutes ces choses. Par la grâce de Dieu, je suis né de nouveau dans un ministère de combat spirituel avec, sous l'autorité de mes parents dans la foi, le couple Beaupéa qui sont à Illinois, à Chicago, aux États-Unis. Je suis né là où il y avait la délivrance. On a délivré des femmes qui avaient des esprits, des Jeanne d'Arc. On a délivré des personnes qui avaient des esprits, les reines de la côte. Donc on a vu des choses comme ça. J'ai grandi, je suis né de nouveau dans cette vie. Et même en amont, avant que je ne me convertisse, j'ai donné le témoignage dimanche, j'étais dans l'occultisme, j'ai touché aux fétiches, j'ai connu les voyages astrales et le diable savait que j'avais une étoile qui m'orientait vers le ministère prophétique. Et si je restais entre les mains du diable, j'allais être un grand occultiste. J'allais être vraiment un instrument de séduction pour gagner l'élite au diable. Mais je suis un adorateur et je servirai Jésus-Christ, lui et lui seul, jusqu'à la fin de mes jours. Alors, tout ce bagage, quand j'étais païen, chrétien, et surtout en tant que prophète et voyant, vous avez vu ce service qui a été diffusé en avance, quelqu'un venait de la Guinée, Conakry, c'est ça? On est allé avec lui jusque là où il est. Donc, le fait d'être voyant, être prophète, m'a permis, au-delà des bases théologiques, d'avoir une vue un peu plus accentuée sur certains faits. Et c'est ce dont je veux vraiment parler. Alors aujourd'hui, je vais introduire, je vais expliquer c'est quoi ce phénomène femme et mari de nuit. Ok? Mais vous verrez que ça ne concerne pas que la nuit, d'accord? Mais on va utiliser une terminologie que tout le monde comprend. Femme et mari de nuit. Dites avec moi, dépistons-nous vivants. Alors le dépistage concerne ceux qui sont seuls, ceux qui sont fiancés et ceux qui sont mariés. Ou même après, divorcés.
ou bien veuve ou veuve, ok? Mais ça concerne l'homme à chaque étape, le dépistage. Faisons le dépistage dans les examens prénuptiaux avant de se marier pour regarder le groupe sanguin pour certains, voir si on n'a pas le VIH et d'autres. Bref, nous faisons le dépistage avant de se marier. Et nous avons dit, c'est très important. Avant d'entrer dans le mariage, il y a des examens que tu dois faire. Il y a des tests que tu dois faire. Il y a des résultats te concernant dont tu dois être au courant. Il y a des résultats concernant ton fiancé, ta fiancée dont tu dois être au courant. Vous êtes peut-être même déjà marié et les choses n'évoluent pas bien. Et vous sentez que c'est au-delà du comportement. C'est au-delà de la personnalité. C'est au-delà du choc de culture. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le foyer. Et là, ça demande cet enseignement, le dépistage. Là maintenant, tu entres dans le monde spirituel. Tu as des informations pour comprendre que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Rappelez-vous, Paul a chassé un esprit qui avait derrière une femme qu'on appelait, c'était une voyante. Elle prophétisa avec un esprit de python. Paul a dit, esprit de python, sort. Il n'a pas dit, femme, part. Il a dit, esprit de python, sort. Ce n'était pas la femme. La femme manifestait des choses, faisait des choses, était utilisée par certains qui se faisaient de l'argent derrière ça. Mais il a dit, esprit qui a derrière, part. Jésus n'a pas dit, Pierre, arrière de moi. Il a dit, arrière de moi, Satan. Donc le problème, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Le problème, ce n'est pas qu'elle ne veut pas se donner physiquement à toi pour le sexe, ou bien l'homme ne veut pas. Ce n'est pas qu'il est déconcentré, il pense à son ex. Voilà pourquoi il a un problème d'éjaculation précoce, ou bien qu'il est toujours fatigué. Des fois, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois, ma soeur. Il faut entrer dans le monde spirituel. Il faut avoir des informations spirituelles et découvrir que si on enlève seulement l'esprit qu'il y a derrière, ton mari peut être performant. Lorsqu'on enlève l'esprit qu'il y a derrière, tu peux être épanoui sexuellement, épanoui dans la communication, épanoui dans l'éducation des enfants. Et ce soir, nous décrétons et déclarons que tous les esprits qui se cachent derrière toi, derrière une attitude, un comportement, une personnalité, une manière de parler, une manière de réfléchir, nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. Tu entreras dans le mariage en n'étant qu'avec ton homme et ta femme. Il n'y aura pas un autre homme qui accompagnait ta femme, ni une autre femme qui accompagnait ton homme, mais qui est spirituel. Tous ces êtres dégagent, prennent les bagages, prennent leurs bagues d'alliance, les bagues de fiançailles, les certificats de mariage spirituel. Nous brisons et cassons cela au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons à partir de ce soir, tes yeux vont s'ouvrir. À partir des informations que tu auras, tu vas mieux comprendre les choses. Est-ce qu'on peut avancer ici? Donne-moi, dis avec moi, dépistons-nous vivants. Aïe, 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 on va entrer dans les vraies choses maintenant. Dis avec moi, dépistons-nous vivants. Plus fort. Encore. Voilà, continue à partager, inviter tes amis. Maintenant, nous allons entrer dans les vraies choses. Alors, on va d'abord lire deux ou trois textes de la parole. Notez bien ces versets. Nous allons bien les lire. Et ensuite, je vais introduire la matière du jour. Matthieu. Tu as le micro? D'accord. Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Versets 28, 29 et 30. Matthieu, évangile selon Matthieu, chapitre 22, versets 28, 29 et 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est bon le micro? Ok, let's go. Matthieu 22, 28, je lis au nom de Jésus. Amen. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? En effet, tous l'ont épousée. 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le verset 30, en effet, à la résurrection... En effet, à la résurrection... Les hommes et les femmes ne se marieront pas. À la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Dans le ciel. Yes. Soulignez cela. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. En d'autres termes, des fois quand nous présentons dans l'angéologie le fait que les anges soient asexués, qu'ils ne soient ni masculins ni féminins, nous citons souvent ce verset, n'est-ce pas ?
Au ciel, il n'y aura pas d'homme, il n'y aura pas de femme, parce que nous serons tous comme les anges qui sont asexués. Ok? Ok? On parle des anges. Tu peux encore répéter ce verset? Le verset 30. En effet, à la résurrection. En effet, à la résurrection. Les hommes et les femmes ne se marieront pas. Les hommes et les femmes ne se marieront pas. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Répète pour la dernière fois. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Stop. Je connais un frère qui draguait une sœur. Il faisait les beaux yeux, il faisait la cour. Il a dit, je demanderai à Dieu une seule faveur. C'est qu'après la résurrection, que Dieu m'accorde une seule grâce. La sœur a dit laquelle? Il a dit que tu demeures femme et que je demeure homme, afin que notre amour demeure éternel. Frère. Alléluia. Amen. Répète encore pour la dernière fois. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne vont plus se marier. Mais ils seront comme les anges de Dieu. Mais ils vont être comme les anges de Dieu dans les ciels. De Dieu dans les ciels. Répétez, les anges de Dieu dans les ciels. Les anges de Dieu dans les cieux. Pour la dernière fois, les anges de Dieu. Les anges de Dieu dans les cieux. Les anges de Dieu dans les cieux sont asexués. Il n'y a ni homme ni femme. Great. Genèse 6. Un texte terrible. Genèse 6. 1 à 2, 4 à 5. Ça va être terrible aujourd'hui. Je lis au nom de Jésus. Genèse 2. Genèse 6, 1 et 2, 4 et 5. Genèse. Urgence, 6. Je suis marié la nuit. Yes. Note avec moi, Genèse 6, 1 et 2, 4 et 5. Genèse 6, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre. Et que les filles leur firent naître. Et que les filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Et ils en prirent, ok. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ok. Le verset 4. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Yes. Ce fut aussi le cas après que le Fils de Dieu se fit uni aux filles des hommes. Et qu'elles eurent l'air. Et qu'elles eurent donné des enfants. C'était des célèbres héros de l'Antiquité. Donc, les célèbres héros de l'Antiquité dont on parle, ils sont. Les enfants. Ok. Des filles de Dieu. Pardon, des filles des hommes. Et des fils de Dieu. Yes. Ok? Yes. Les fils de Dieu et les filles des hommes se sont connus physiquement, sexuellement, et ils ont donné naissance à une autre espèce, à une autre race, qu'on a appelé les héros de l'Antiquité. Yeah. Les mythologies, certaines en parlent même. Nous connaissons Hercule. Mm-hmm. Ok? Nous connaissons Persée. Oui, la mythologie. Voilà. Dans la mythologie grecque, on parle de ces demi-dieux. Ils sont nés d'une femme. Mais le père était l'un des dieux de l'Olympe. Yes. Ok? La mère était l'une des déesses de l'Olympe. Dans la mythologie romaine, par exemple, il y avait 12 dieux principaux. Il y avait 6 déesses et il y avait 6 dieux. Ok? Et on croyait à l'époque, ce n'est même pas que pour les Romains, même les Grecs, même les Égyptiens, même à l'époque de Babylone, ce sont des choses, même dans plusieurs civilisations, même ici en Afrique, c'est des choses auxquelles on croit. Qu'il y a des esprits qui sont entrés dans notre dimension. Ils ont connu les filles des hommes et ils ont eu des enfants. Est-ce qu'on peut maintenant commencer les choses? Que Dieu soit glorifié. Amen. Je venais de naître de nouveau et nous avions une cellule à la maison, une cellule de prière. Sur l'avenue Diom, numéro 40 à Minzozone, à Angalima, là où ma mère vit encore jusqu'à ce jour. On avait des cultes matinaux. Tous les matins, du lundi au samedi. Et on recevait beaucoup de gens du quartier qui venaient prier avec nous. C'était approximativement vers 5h, 5h30 du matin, jusqu'à 6h, 6h30, et puis chacun pouvait vaquer à ses occupations.
parmi les personnes qui venaient là, il y avait une sœur qui était venue pour un cas de délivrance. Et la sœur est venue, elle habitait vraiment à, je pense, à 50 mètres de notre maison. Je me rappelle très bien de l'adresse. La sœur était une jeune fille, une jeune femme qui était très attractive, un peu sensuelle. Elle plaisait un peu aux yeux de tous les hommes qui étaient dans le quartier. Elle est venue voir le frère Francis pour la prière. Et elle a commencé à ouvrir son cœur. Elle a dit, j'ai un problème pour me marier et j'ai besoin, homme de Dieu, que vous puissiez prier pour moi. Je lui ai dit, ok, je vais prier pour toi. Elle dit, mais j'aimerais te tenir informé de quelque chose qui m'est arrivé. Elle dit, homme de Dieu, autrefois on m'appelait évangéliste, d'accord, j'étais consacré évangéliste à l'église. Elle m'a dit, homme de Dieu, je ne me souviens pas avoir été déviergé par un homme. Oui. Elle dit, tel que je... C'était nouveau pour moi. J'ai dit, quoi? Elle dit, un jour, je dormais. J'étais dans ma chambre et j'avais fermé ma chambre parce qu'il fait chaud. Des fois, je me déshabillais. Donc, je n'étais pas trop habillé, quoi. Et je dors, comme ça m'arrivait des fois, mais cette fois-là, c'était violent. J'ai vu un homme qui est venu avec le visage d'un papa que je connais, qui est du quartier. Il est venu, il m'embrassait, il me touchait. Et à un moment, il m'a connu. Et ce jour-là, c'était tellement intense. Il parlait, je criais et j'avais mal. Et quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu au fait que je saignais. J'ai vu que je saignais. Et j'ai réalisé que c'est le jour, la nuit où j'ai perdu ma virginité. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible. On a prié pour elle, c'était une délivrance très difficile. Et elle le disait parce que elle était avec, elle avait connu plusieurs hommes. Et c'était difficile pour elle d'avouer quand un homme, par exemple, pose la question avant le mariage, ou bien quand on commence, qui était ton premier homme, ou bien tu as commencé à connaître les hommes à partir de quel âge. Alors, elle parlait d'un homme qui n'existait pas. Elle racontait l'histoire de quelqu'un qui était entré dans sa vie, qui était sorti. Et pourtant, ce n'est pas un homme qui avait pris sa virginité, mais c'était un esprit qui était venu la nuit, qui l'a connu physiquement et elle a perdu sa virginité. Prophète, comment c'est possible qu'un esprit vienne, touche une femme, connaisse la femme sexuellement, prenne la virginité de la femme? Et depuis ce jour-là, tous les hommes qui l'ont connue n'ont jamais eu de problème pour la connaître sexuellement parce qu'elle était déjà des vierges. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Je vous donne d'autres exemples. Il y a des cas de délivrance qu'on a traités comme ça. Quelqu'un dort. Il voit dans son sommeil qu'il se bat avec un chat. Et le chat le griffe. Il se réveille le matin, il voit vraiment qu'il est griffé. Plusieurs personnes voient ça. Et on voit le sang. Tu te poses la question, je n'ai pas assez d'ongles pour me faire autant de mal. Mais comment quelque chose que j'ai vu en esprit, que j'ai vu dans un songe, peut avoir des répercussions sur mon corps physique? Est-ce qu'on peut continuer à avancer? Il y a des cas que nous on a traités. Vous priez pour une sœur. La sœur dit, j'ai un esprit qui couche avec moi la nuit, qui me connaît sexuellement. Prophète, quand je me réveille le matin, ma chambre est fermée. Ce n'est pas quelqu'un de la maison qui est entré. Quand je me réveille, non seulement j'ai mouillé, mais je vois les spermatozoïdes d'un homme sur mon corps. Alors, comment on peut expliquer ce genre de phénomène? Voilà pourquoi, chrétiens, vous devez un moment monter en esprit. Nous sommes dans une décennie de spiritualité. Tu ne peux pas toujours être là, manger les petits repas de prédication qu'on te donne. Il y a un moment où il faut regarder la vie en face. Comment nos parents et nos grands-parents connaissaient bien ces choses, mais nous aujourd'hui, on ne connaît rien. Tout ce qu'on connaît, c'est peu d'éléments de la vie chrétienne et on a peur de se poser des questions parce qu'on ne maîtrise pas bien ces choses. Dieu a ouvert un prophète ce soir qui connaît le monde invisible et qui va t'expliquer des choses. Voilà pourquoi partage-moi ce live, invite des amis parce qu'on va vraiment se parler des vraies choses. Il y a une sœur que j'ai connue. Je commence avec les témoignages. Il y a une sœur que j'ai connue. Je l'ai même trouvée, ça fait quelques années, en Afrique du Sud. Cette sœur était à l'équipe d'intercession de notre église. Elle était très zélée pour les choses de Dieu. Elle aimait les choses de Dieu jusqu'au jour où elle s'est ouverte à moi. J'habitais encore chez ma mère. Elle m'a dit, Eva Francis, c'est comme ça qu'on m'appelait évangéliste. Eva Francis,
j'ai envie de te parler de ma vie. Et elle m'a dit, je suis là, j'ai des sérieux problèmes. Parce que j'aimerais t'avouer que le premier homme qui m'a connu, c'était le pasteur, un pasteur connu. Et je sais qu'elle priait là-bas aussi avant. J'ai dit, ah, ok, elle dit, mais ce n'est pas seulement lui. Tel pasteur aussi, tel pasteur aussi, tel pasteur aussi. J'ai dit, eh Seigneur Jésus, ça c'est quelle histoire comme ça. Et elle m'a dit, d'ailleurs, elle a maintenant commencé à me parler de... Elle ne savait pas résister devant un homme de Dieu. Et elle n'était attirée que par les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu n'étaient attirés que par elle. Donc elle, ce n'est pas des païens, des occultistes, des hommes... Non, elle, c'était les pasteurs. Quand un pasteur la voit, le pasteur doit sentir qu'il est attiré sexuellement par elle. Et elle ne savait pas, c'était au-delà d'elle, au-delà de sa volonté humaine. Et la sœur m'a dit, mais je suis conscient d'une chose. J'ai dit, de quoi s'agit-il? Elle m'a dit, ma mère n'avait pas d'enfant avec mon père. Elle n'avait pas d'enfant. Et on nous raconte toujours l'histoire de la famille. Même maman raconte l'histoire parce qu'elle était la seule fille de maman que ma mère a dû rencontrer une femme qui était dans des arts magiques. Elle communiquait avec des esprits qu'il y avait dans les eaux. Parce qu'elle habitait du côté de Mimosa, pour ceux qui connaissent un peu, voilà, du côté du fleuve. Et ma mère est allée, elle a parlé avec une femme parce que je ne pouvais pas, maman ne pouvait pas avoir des enfants. Et maman a vu la femme a dit d'accord, je vais t'aider. Mais voilà le sacrifice. Il y avait des exigences. Elle a rempli toutes les exigences. Elles sont allées dans les eaux. Elle a connu un bain plus d'une fois. Il y a des choses qui ont été faites sur elle. Et quelques temps après, elle était enceinte. Et elle était enceinte sans avoir été sexuellement avec le mari. Quelqu'un m'entend? Sans avoir été avec le mari. Elle était enceinte, l'homme était content, la femme a tout fait, quand elle a su qu'elle était enceinte, elle est allée avec son homme, papa, et puis l'homme sait que c'est sa fille. La jeune fille est née. Maintenant on se pose la question, qui est-elle? Qui est-elle? Théologiquement parlant, est-ce qu'une personne comme ça peut être née de nouveau? Est-ce qu'une personne comme ça peut être sauvée? Est-ce qu'on peut avancer dans les vraies choses? Et la sœur, plus tard, elle était à l'intercession de l'église. Et l'un des responsables de l'intercession était resté avec elle dans la permanence alors que les autres étaient allés acheter du pain. Et elle avait un panier, puis un cinglé. Et puis bon, comme par enchantement, le panier est tombé. Et le responsable d'intercession ne put résister. Il toucha, il goûta aux fruits défendus. Et la sœur est tombée enceinte. Le cas, c'est un cas que j'ai traité. Le frère est venu me voir. Il m'a dit, papa, je suis malheureux, misérable. Cette sœur-là, je l'ai connue dans la permanence. Et elle est enceinte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je suis permis de dire quelque chose? Je suis permis? Tu regardes ça? Tu connais l'histoire? Je t'en avais parlé? Ok. Bon, anyway. Mon fils a refusé, donc je vais garder ça. Mais dans tous les cas, cette sœur-là, je l'ai trouvée même en Afrique du Sud, elle était avec quelqu'un. Mais tu sens seulement que c'est de relation en relation. Mais elle avait perdu cet enfant, ok? Elle avait perdu cet enfant après. Alors frère, on se pose la question. Une sœur comme ça, tu l'épouses. Elle vient d'où? Elle vient de quel monde? Comment ça se passe avec elle? Voilà pourquoi j'aimerais commencer avec cette déclaration. Dans les 7 milliards d'habitants que nous avons sur la terre, lorsqu'on considère une approche démographique, vous devez savoir que tous les 7 milliards d'habitants sur la terre ne sont pas des êtres humains à 100%. J'avance. De 7 milliards d'habitants qui assurent la terre, toutes les races confondues, toutes les femmes et tous les hommes que vous voyez dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos communes, dans vos provinces, dans vos nations, dans vos églises, ne sont pas tous des hommes et des femmes purs, génétiquement,
avec un ADN génétiquement clair à 100%. Non, non et non. Si tu penses que toutes les personnes que tu vois sont des êtres humains, alors tu es un homme qui vit, je ne sais pas dans quel siècle. Même ceux des siècles passés connaissaient ces choses. Il y a un témoignage au Gabon que j'ai reçu chez l'un des fils du prophète Philippe Moukoma. On était chez lui à la maison et on mangeait. Et il a commencé à témoigner de quelque chose dont j'ai parlé de mon message. Il dit, on a connu l'histoire ici, au Gabon, d'un homme qui était en boîte avec une jeune fille. Ils se sont aimés. La fille a donné l'adresse. Ils ont même fait une photo en boîte. Le monsieur, la journée, il a commencé la journée et le soir, il devait aller visiter la fille. Il arrive à l'adresse, il pose la question. Il demande, je cherche par exemple, quel prénom? Mamie. Je cherche mamie. Mamie qui? Mamie Bukasa. Et les parents disent, pourquoi? Il dit, non, parce que j'étais avec elle, tout ça. Quoi? Tout le monde était choqué. Parce que mamie Bukasa est morte, ça fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Il dit, non, c'est pas possible. Il prend le téléphone. Il prend le téléphone, il allume le téléphone, il montre les photos. Il dit, mais c'est mamie. Hein? Tout le monde a crié. Parce que c'était mamie sur la photo. C'était mamie. Et plus grave, il a couché avec mamie en quittant la boîte de nuit. Amen. Papa, voilà pourquoi garde ton corps, maman. Amen. Garde ton corps, papa, parce que tu ne connais pas avec qui tu es en train de partir. Yes. Toi, tu vois une personne aujourd'hui, tu vois qu'elle sent bon, il est beau, il est élégant, mais tu ne connais pas son histoire. Amen. Derrière ce que tu peux voir, il y a une histoire. Amen. Derrière ce que tu peux percevoir, il y a une histoire. Amen. Alors, la confiance, c'est bien. Mais il faut vraiment prendre le temps avant de se donner, surtout physiquement. Parce que tu ne sais pas, la personne était avec qui avant, la personne est née de qui. Tu ne sais pas. Et imagine-toi maintenant comment l'homme était choqué. J'ai dit, mais j'ai couché avec qui? Alors vous qui couchez et découchez, courage à vous. Vous qui couchez et découchez, courage à vous. Et alors aujourd'hui, les gens se marient à des problèmes. Problème, sur problème, problème. Parce qu'une femme, elle entre dans le mariage avec un homme qui est mort. Un homme entre dans le mariage vivant avec une femme spirituelle. Une femme spirituelle qui est déjà morte. Donc vous êtes sur le lit conjugal. Que le lit conjugal soit tout ce que tu veux là. Dans la Bible, on parle dans Hébreu, n'est-ce pas? Mais l'homme et la femme ne sont pas les seuls sur le lit. La femme a un autre homme. L'homme a deux autres femmes. Et sexuellement, ça se passe comment? Et dans ce cas d'espèce, l'homme avant de connaître le plaisir et de jouir, il doit penser à une autre femme. La femme, avant d'arriver au top, elle doit penser à un autre homme. Pourquoi toutes ces images-là? Parce qu'il y a des esprits qui vous accompagnent. Amen. Dis avec moi, dépistons-nous vivants. Dépistons-nous vivants. Frère, on est là pour se dépister. Amen. Et tu vas aller entrer dans le mariage, comme on dit à l'ingala, qui est nigine, qui boudiki boudiki. Donc toi, tu pars seulement comme ça avec. On n'entre pas juste pour la belle robe. Amen. On n'y entre pas pour le beau costume. On n'y entre pas pour les garçons d'honneur. On n'y entre pas pour prouver quoi que ce soit. Le mariage est trop sérieux pour y entrer juste pour une journée de 24 heures. Et la finir avec des dettes encore. Frère, prends ta vie au sérieux. Si tu te donnes à une femme, tu te donnes à un homme, tu dois d'abord avoir assez d'informations avant de te donner à elle. D'autres femmes, peut-être même, elle n'a rien fait. Hein? Elle n'a rien de mal. Mais elle a connu quelqu'un qui était un mi-homme, mi-démon. La sémence de cet homme est infectée. Ça entre en elle. Règle douloureuse. Règle douloureuse. Pas d'enfant. Stérilité. Elle aime Dieu. Elle sert Dieu. Elle s'est donnée à Dieu. Mais son passé est en train de la suivre. Et les conséquences sont réelles dans son corps. Voilà pourquoi, gardez-vous. Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont très, 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 très mauvais. Sexuellement, il y a des personnes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, avec des femmes. D'autres même la journée. Moi, je connais une sœur comme ça en pleine classe, à l'école Espoir, à côté de Pompage. Une jeune fille, on traitait son cas. En pleine classe, elle pouvait être là. On parle de libido, on peut parler d'autres choses, mais elle était dans l'hypersexualité. Elle avait un désir sexuel incontrôlable.
Et quand ça la prend là en classe, elle voit vraiment un homme qui entre, un homme qui fait des attouchements, et elle va jouir sur place. Et elle sent vraiment qu'un homme est en train de la connaître physiquement en classe. Et une fille comme ça, des fois tu vas les voir très calme en classe, elle est comme toujours perdue. Et ces esprits-là enlèvent l'intelligence. La personne a toujours des pertes de mémoire. La personne est toujours évasive. La personne est toujours un peu, on dirait, la personne n'est pas là. Quand on parle, hein, oui, tu parles de quoi? Donc la personne vit dans un autre monde. Souvent, ce sont des personnes qui bégayent, ou bien d'autres gens qui sont très, très renfermés, d'autres même qui sont très expressives. Alors, tu ne peux pas aujourd'hui, en ce temps de confinement, vouloir sortir d'ici et reprendre les démarches de mariage juste avec les sentiments. Non, cette histoire-là, non. Non, non, je t'aime, mais dépistage. Je vais être avec toi, mais dépistage. Je vais partager ma vie avec toi, mais dépistage. J'aimerais bien que tu me fasses des enfants, mais dépistage. Parce que je ne sais pas d'où tu viens, là où tu as couché et tu as découché. Jésus a pardonné, le sang de Jésus est passé, mais on ne sait pas ce qui est resté. Ah, dis avec moi, dépistons, nous vivons très fort. J'aimerais te voir, donne-moi des likes là où tu es, partage, parce que les vraies choses sont en train de commencer maintenant. Aujourd'hui, maintenant, je vais d'abord introduire, t'expliquer ces esprits-là qui connaissent les hommes ou les femmes sexuellement. Comment s'appellent-ils? Ils viennent d'où? Ils ont quelle origine? Des fois, on me dit seulement ce sont les démons. Il n'y a pas que les démons. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Laissez-moi voir comment ça se passe sur les réseaux. Ah, voilà, donne-moi un bon amen là où tu es. Donne-moi des likes, partage-moi ce live, invite tes amis. On peut arriver à plus de 2000 ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Là, Dieu est en train de faire quelque chose. Je ne veux pas rester là où je suis. Je veux que ma vie change. Je veux t'épouser, oui, mais on doit se faire dépister. Voilà pourquoi les hommes, si tu es un vrai homme, tu dois avoir aussi l'humilité. Quand la sœur te dit avant le mariage, on doit aller prier pour la délivrance, ne dis pas, moi je suis prophète des nations. Moi je suis déjà pasteur. Toi tu me connais, toi? Moi je suis consacré. Ça ne coûte rien que de mettre les genoux à terre après avoir jeûné pendant 3 jours pour que des aînés prient pour vous pour la délivrance. Vaut mieux chasser un démon là où il n'est pas que de ne pas le chasser où il est. Je répète, vaut mieux chasser un démon là où il n'est pas que de ne pas le chasser là où il est. Des fois, ce sont les sœurs qui sont prédisposées. La sœur dit, moi vraiment, je sens que on doit prier pour moi. Je sens que j'ai des choses de mon passé. Mais le frère, ah papa, toi tu connais mon histoire? Moi je sers Dieu depuis longtemps. Tu crois que quoi? Cette histoire-là concerne même, il y a des pasteurs qui ont des liens. Il y a des pasteurs qui ont des liens de réclamation. Il y a des pasteurs qui sont infectés dans leur sang. Il faut avoir l'humilité vraiment pour vos enfants. Même si tu n'as aucun problème, ça ne coûte rien que d'aller devant des aînés que vous avez choisis, qui ont l'autorité dans ce domaine et qui vont prier pour la femme, qui vont prier pour le mari. Ça ne coûte rien. Voilà pourquoi j'encourage dans les enseignements prénuptiaux qu'on puisse aussi inclure la délivrance. Cher pasteur, oh, vous mettez toujours des coups. Oh, comment parler? Oh, comment relations sexuelles? La gestion de la belle famille, c'est bien. Ok? L'éducation des enfants, c'est bien. Ou bien comment organiser une fête de mariage, c'est bien. Mais c'est mieux aussi d'inclure les enseignements de la délivrance avant le mariage. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Ouais, parce que des fois on entre là, j'aime Dieu, je sers Dieu, mais il y a des choses que je n'ai pas réglées. Et la pauvre sœur qui pense que c'est moi l'homme saint, parce que je suis prophète, parce que je suis pasteur, parce que je suis apôtre, et pourtant c'est moi qui ai des problèmes qui vient poser ça dans la vie de la pauvre fille. Dis avec moi, dépistons nous vivons, comment? Plus fort. Est-ce que vous avez peur ou bien ça va? Ça va? Ça va? Dis avec moi, j'ai besoin de la délivrance. Voilà, parce qu'il y a toujours des gens comme ça. Moi, jamais de la vie. Jésus m'a déjà racheté, le sang de Jésus m'a purifié. La grâce de Dieu a déjà tout fait. La croix, tout accompli, tout est accompli. Pourquoi tu es pauvre? Tout est accompli, pourquoi tu es malade? Tout est accompli, pourquoi tu as cette maladie qui subsiste? Tout est accompli, pourquoi tu pèches encore? Il faut être humble dans la vie. Tout est accompli, oui. La délivrance, oui. La délivrance, c'est prendre le tout est accompli et l'appliquer maintenant dans la vie. Amen. L'actualiser dans ta vie. Amen. La délivrance, c'est le monde des humbles. Amen.
tu ne peux pas évoluer quand tu entends ce message et tu te couvres. Tu sors les épines comme un écureuil. Parce que tu penses qu'on te menace. On te menace dans ta sainteté. On te menace dans ta pureté. Non, non, non. Là, on a tous besoin un jour de se mettre à genoux, de dire, papa, prie pour moi. Je pense qu'il y a quelque chose qui me dérange. Prie pour moi. Dis avec moi l'humilité. Donc ici, mets un peu tes galons à côté. Mets tes titres de ministère à côté. Je ne dis pas d'aller te faire imposer les mains par n'importe qui. Ça aussi, c'est important. Hein, parce que des fois, le sœur, elle va t'emmener chez un pasteur là qui a un niveau moins élevé que toi. Parce qu'elle veut seulement que tu sois humble. Chérie, pourquoi toi tu n'es pas brisé? Chérie, toi tu n'es pas brisé. Ah, bébé. Quel genre de brisement, maman? C'est compliqué. Il faut aller chercher une personne qui a une onction supérieure afin de me délivrer. Afin de, même s'il n'y a pas de lien. Mais au moins, il y a des prières qui sont curatives et des prières qui sont préventives. Mais la prière qu'il fait là, ça peut nous garder, ça peut nous protéger, ça peut nous libérer. Alors, quels sont ces esprits-là qui couchent avec des hommes, qui couchent avec des femmes dans un sommeil durant la journée et qu'on appelle mari de nuit? Notez avec moi. Notez avec moi. Numéro 1. Donc, mari, femme de nuit, prenez juste ça comme un concept, ok? Mais ça ne concerne pas toujours la nuit, d'accord? Mais c'est la terminologie que l'on connaît tous qui nous exprime une réalité, ok? Les esprits incubes et succubes. Je ne suis même pas avec la rousse ce soir. Ce soir, je suis avec la Bible et la révélation des choses spirituelles. Premièrement, ces esprits sont d'abord des démons. Ce sont des démons qui visitent les gens dans les songes. Couramment ou périodiquement. Première définition, un mari de nuit ou une femme de nuit, c'est d'abord un démon. Un démon qui visite dans les songes. Ok? Qui visite. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui habite là. C'est quelqu'un qui visite. Et comme le songe, là j'en parlerai dimanche, hein, comme les songes sont une bande de... Comment je peux dire? Les songes sont une plateforme, ok? Amen. Où le monde spirituel vient, vous aussi vous venez. Quand je suis à Lubumbashi, pour aller en Zambie, il y a ce qu'on appelle une zone tampon, ok? Une zone tampon, ok? C'est pas la Zambie, c'est pas Lubumbashi, mais c'est une zone tampon, ok? Voilà, c'est la frontière. Là, tellement ça. Les songes peuvent être comme une zone intermédiaire où l'humain et le spirituel se retrouvent. Il peut y avoir des échanges, des transactions, même des fois qu'on veut échanger les prisonniers de guerre, c'est là que ça se passe. Même le président de la Corée du Nord et du Sud, je pense, l'année passée, ils se sont rencontrés, ou deux ans passés, là. C'est une zone intermédiaire, une zone tampon. Ok? Les songes, c'est aussi comme ça. Un esprit n'habite pas chez toi. Un esprit vient, il te visite. Et toi aussi, dans le songe, tu es là. Et comme dans le songe est le seul domaine de ta vie où tu n'as pas beaucoup de pouvoir sur ton être. Un domaine dans lequel tu es inconscient. Satan sait que physiquement, tu peux dire, je peux l'embrasser, mais je ne veux pas coucher avec elle. Mais dans le songe, tu n'es pas maître de toi. Tu n'as pas le contrôle sur tout ton être. C'est pour cela que les plus grandes activités du diable se passent la nuit. Quand tu dors, là, tu n'es pas lucide. Quand tu n'es pas fort spirituellement, c'est là qu'on peut t'envoûter, là qu'on peut t'infecter, là qu'on peut même coucher avec toi. Satan sait qu'une femme, si elle vient comme une sirène la journée, peut-être que tu résisteras. Mais la nuit, tu es impuissant. Est-ce que je peux avancer? Première définition, mari, femme de nuit, c'est d'abord un démon. C'est un démon, come on. C'est un démon qui vient dans l'insu, qui te visite. Des fois, périodiquement, quelqu'un te dira, moi, ça fait 6 mois que ça ne vient plus. Et puis, bizarrement, le jour où tu en parles, c'est le jour où ça vient. Il y a même quelqu'un qui me disait, prophète, moi, quand je ne prie pas pour chasser les maris de nuit, ça ne vient pas. Mais le jour où je commence seulement à prier, c'est le jour où ça vient fortement. J'aimerais te dire, lorsque ça vient fortement, c'est là que tu dois commencer à plus prier. Aïe, 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 aïe. Parce que le serpent dans le tas de broussailles de Paul ne bouge pas quand il y a le froid. C'est quand la chaleur commence que l'esprit commence à être en mouvement. Quand tu pries et que l'esprit se manifeste, ce n'est pas le moment de baisser les bras et de dire, oh voilà, bizarrement quand je prie beaucoup, c'est là que ça vient. Au contraire,
Lorsque tu pries et que ça se manifeste, continue à prier. Yes. Varie en prière. Yes. Accélère. Yes. Et le serpent qui est là va sortir. Yes. Je déclare ce soir que le serpent sort. Yes. Je déclare ce soir que le serpent sort. Yes. Satan veut seulement te décourager. Yes. Parce que Satan sait que si ça vient, tu vas voir et te décourager et croire que c'est la prière qui les attire. Yes. Et pourtant, c'est la prière qui les fait sortir. Yes. C'est la prière qui les fait manifester. Amen. C'est quand tu pries que ça se manifeste, que tu dois doubler en prière. Amen. Multiplier les prières. Amen. Entrer en prière. Amen. Même quand tu te mouilles le matin, lève-toi, prie encore. Amen. Quand tu te mouilles demain, lève-toi, prie encore. Parce que le serpent est en train de sortir jusqu'à ce qu'il sorte totalement. Quelqu'un peut me donner un amen bien là où il est. Amen. Donc d'abord, c'est un démon. Quelqu'un peut dire un démon. Un démon. Deuxième définition. Marie, femme de nuit, ça peut être aussi un démon qui possède. Ok, là, ce n'est pas une visite, mais qui possède. Qui possède un homme ou une femme qui devient sa résidence. Et ce démon devient vraiment son mari ou sa femme. Son mari ou sa femme. Donc, il y a des gens comme ça. Son mari ou sa femme de nuit, c'est vraiment un démon qui habite. Le démon habite en toi. C'est vraiment ton mari ou ta femme. C'est un démon, précisé. C'est un démon. Et dans le monde spirituel, vous allez souvent voir, à part les relations sexuelles, il y a des gens qu'on a connus qui voient même qu'il y a eu un mariage. Donc, mariage, ils sont allés, se sont mariés. La bague est vraiment entrée. Ils se sont connus physiquement, 2-3 jours après, dans les songes, hein? Peut-être une semaine après. Et un mois après, la femme commence à remarquer que son corps commence à changer comme le corps d'une femme qui est enceinte. Ce n'est pas toujours 9 mois après. Des fois, ça peut prendre 3 mois ou 4 mois. La femme dort, elle rêve même qu'elle a accouché. Elle a un bébé. Et durant cette période-là, elle voit vraiment que c'est ça, comme si elle allaitait. Et le lait coule. On a travaillé dans des cas de délivrance et la soeur ne sait pas expliquer à son mari. Elle ne sait pas expliquer. Elle dit non, moi c'est peut-être les hormones. Elle commence à créer des... Et pourtant, ça n'a rien à voir avec les hormones. C'est vraiment spirituel. Elle a un mari de nuit. Il a une femme de nuit. Il a des enfants de nuit. Il a des beaux frères de nuit. D'autres même ont des certificats. Écoute-moi. Une femme qui a une bague de mariage la nuit. Toi, tu l'aimes juste parce qu'elle chante à la chorale. Oh, Jésus! Toi, tu l'aimes parce qu'il modère bien l'église, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et le pasteur l'apprécie beaucoup. S'il a une femme de nuit, elle est mariée de nuit, pas encore mariée. Le jour du mariage, hein, l'anneau que l'on fait entrer n'est pas le premier à entrer dans ce doigt-là. C'est la deuxième bague qui entre. Il y a une bague physique, il y a aussi une bague spirituelle. Il y a une alliance avec l'homme physique, il y a aussi une alliance qui était là au préalable avec un homme spirituel. Voilà pourquoi, n'accepte pas, voilà pourquoi il faut prier pour les anneaux, il faut prier pour le doigt, il faut prier pour la délivrance. Comme ça, quand tu as une alliance avec quelqu'un, tu es le seul à connaître cette femme physiquement. Et tu ne partages pas cette femme avec quelqu'un d'autre. Tu imagines un peu? Que tu t'es marié avec une femme qui était déjà mariée. Tu imagines un peu que tu t'es marié avec un homme, mais un homme qui était déjà marié. Un homme qui a une femme. Et une femme et le mari de nuit sont jaloux. Amen. Les femmes de nuit sont jalouses. C'est parmi les esprits les plus difficiles à chasser. Amen. Pourquoi ce message? Parce que c'est un des domaines de délivrance le plus difficile. Amen. Pour que ces esprits sortent, c'est toujours des complications parce que c'est pour le meilleur et pour le pire. L'esprit reste avec toi. Amen. C'est mon mari. C'est ma femme. On va le voir. Cet esprit peut créer des traits de comportement bizarres dans la vie de la femme. Bizarres dans la vie de l'homme. Et toi, tu vois l'homme qui est là, seul dans sa chambre, et pourtant, il a déjà sa femme. Et toi, tu viens bien habillé avec ta nuisette, et tu viens essayer de séduire ton mari. Tu remarques que son corps, il ne ressent rien. Et il doit commencer à imaginer. Et quand cet esprit-là est dans la jalousie, est irrité ce jour-là, c'est compliqué.
relation sexuelle qui n'évolue pas. Je peux vous donner mon témoignage? Moi, j'ai été jeune. Bon, je le suis encore. Quand j'étais beaucoup plus jeune que ça, plus de 20 ans passés. J'ai vécu au Bénin. Ceux qui connaissent le Bénin savent que là-bas, ce n'est pas les petits fétiches, les petites magies. Nous, on a vécu avec le vaudou. À l'époque, il y avait un panneau où c'était écrit « Bienvenue au Bénin, berceau du vaudou ». C'était compliqué. On avait la connaissance des oraux. Des quoi? Des morts vivants. Des revenants. On savait que dans telle période, à telle heure, on ne sort pas. Parce qu'il y a des phénomènes bizarres qui se passent. Et le Bénin, c'est le pays des sirènes. Par exemple, les prêtres de vaudou, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des périodes particulières de l'année où ils vont à la plage. C'est filmé, hein, c'est à la télévision. On va à la plage et on a de la nourriture crue. Donc de la viande crue, du poisson cru, tout. Les légumes crus, tout est cru. Et le prêtre vaudou est là avec tous ceux qui l'accompagnent et quelques fidèles. Tout le monde est à la plage en train de regarder. Et ils vont de la mer. Oui, ils vont de la mer. Ils vont. C'est pas une vision, comme ça, ils partent. C'est filmé, hein. Et ils entrent dans l'eau. Ils disparaissent pendant quelques heures. Et à un moment, tout le monde commence à crier. Et ils sortent. Ils sortent, ils sortent. Ils ne se sont ni noyés, ni mouillés. Et ils vont sortir de là avec la nourriture préparée. Hein, ma fille? Et quand ils sortent de là, tout le monde accourt pour manger et les gens mangent la nourriture qui vient des eaux. C'est là où moi j'ai vécu. On avait des plages, même au Nigeria, il y a Ba Beach, Lake Beach, je ne sais pas si c'est pareil au Nigeria ou même au Bénin, il y a des plages. Et dans ces plages-là, on savait que des fois, en cette période, il ne faut pas y aller parce que les esprits sont fâchés. Parce qu'on a fait ou on n'a pas fait quelque chose. Les esprits sont fâchés. Quand tu pars, tu nages, tu vas mourir. Mon grand frère qui est mort, perd son âme depuis l'année passée, c'est ça? C'est l'année passée. Une fois, il est allé avec ses amis, qui est aussi fils des diplomates de l'ambassade du Zaïre à l'époque, là où nous on était. Ils sont allés. Mon frère a senti qu'on le tirait. Et lui, il est sorti de là, mais c'est l'un de ses amis qui était mort. Nous, on a vécu ces choses. Et au Bénin, c'est différent de... Je pense que ceux de l'Haïti ou des îles peuvent connaître très souvent ces histoires. Souvent, ce sont dans les villes côtières. Et il y a des sirènes. Oui, il y a des sirènes. Il y a des enfants qui naissent de l'eau. Des fois, pour les tester, il faut les prendre, les jeter sur l'eau. Quand l'enfant se noie, c'est qu'il n'est pas un enfant. Azamo la maïté, ce n'est pas un enfant des eaux. Et moi, j'avais une copine sirène. Oui. Est-ce que papa peut avancer? On vient de loin, ma fille. Dieu a pitié de nous. N'aie pas peur de moi, ne vous en faites pas. Oui. Et nous, Jésus nous a sauvés, frère. Il nous a sauvés, ma soeur. Et les sirènes sont comment? Ce n'est pas forcément qu'elle est née de l'eau. Mais elle est là, elle peut avoir un esprit qui l'a saisi quelques jours de la semaine, par exemple vendredi. Quand cet esprit se manifeste, tu ne la touches pas. Par exemple, si la sirène que tu as se manifeste le mardi, ta fiancée ne peut pas être avec toi. Parce que si l'esprit voit ta fiancée, l'esprit va frapper ta fiancée. Tu dis amen. Hein? Et c'est dans un contexte comme ça qu'on a vécu. Et j'avais des femmes de nuit. Quand je me suis converti, je faisais ça. La journée, tu viens de la prière, culte matinal, tu dors à 8 heures, la femme de nuit vient. Seigneur, papa, mon Dieu, je suis ton serviteur. Là, il y a des prophéties, tu es mon serviteur, tu iras loin dans la vie. Les esprits là ne voulaient pas quitter. On m'a fait le baptême, les esprits étaient là. Par la délivrance, les esprits étaient là. Je pense que ça m'a pris les trois premières années de ma vie chrétienne. Je souffrais comme ça. Tu te réveilles, la culotte est mouillée. Tu te réveilles, la culotte est mouillée. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui me suivent. Ils chantent à la chorale, ils postent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais tu sais que quand tu as peur de dormir, il y a même des gens comme ça, ils prennent sa tasse de café. Encore parce qu'il a peur de dormir. Si des fois, il a seulement dormi un peu, il se réveille comme ça, déjà mouillé. Sois libéré ce soir au nom de Jésus. Je dis, sois libéré ce soir au nom de Jésus. Et trois ans après, j'ai été libéré de ces esprits. Amen. Et aujourd'hui, je ne vois plus du tout ces choses. J'ai été totalement délivré de cela. Amen. Si Jésus m'a délivré, tu peux être délivré. Amen. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Ce soir, je veux te libérer de ce démon. Amen.
qui couche avec toi, qui joue avec ton corps. Voilà pourquoi c'est bien de prier. Hein? La prière fait peur au diable. Écoutez-moi, une mouche peut continuer à survoler, à voler au-dessus d'une casserole froide. Can I go ahead? Une mouche peut continuer à survoler ou à voler sur une casserole froide. Aïe, 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 aïe. Mais quand la casserole est mise au feu et que l'eau est en train de bouillir, aucune mouche ne peut avancer là. Belzébul veut dire le seigneur des mouches. Amen. Hmm? On dit les mouches mortes font fermenter, infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. C'est l'image des démons, les mouches. Belzébul, c'est le seigneur des mouches. Les mouches sont là parce que ta prière est l'eau. Les mouches continuent à agir sur toi parce que ta prière est en bas. Lorsque tu vas commencer à bouillir, tu vas monter des dimensions de la prière. Aucun démon ne pourra venir dormir avec toi la nuit. Voilà pourquoi à partir de ce soir, que ta prière monte de niveau, que ta prière change de dimension, que ta prière a une autre dimension, dans le puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, amen, très fort. Ce soir, c'est l'introduction, c'est la définition. Donc, deuxième définition, c'est le démon maintenant qui habite dans quelqu'un, qui fait de cet homme ou de cette femme son mari ou sa femme de nuit. On peut encore monter? Est-ce que je peux aller plus loin? Ahmed, je peux aller? Troisième définition, mari ou femme de nuit, c'est l'esprit d'un revenant. L'esapradia. C'est l'esprit d'un revenant, donc de quelqu'un qui est déjà mort, qui possède ou même qui visite un homme ou une femme et fait de ce dernier ou de sa dernière sa femme ou son mari. Exprimé par un partenaire sexuel, ok? Yes. Hein. Je peux continuer? Mari, femme de nuit, c'est l'esprit d'un mort. L'esprit d'un revenant. Pasteur Daniel, là. Cherchez-moi le verset dans Lévitique où j'ai prêché quand je parlais de l'esprit de mort. On dit si quelqu'un a l'esprit d'un mort. Cherchez-moi ce verset dans Lévitique. Quelqu'un peut lire? Lisez avec moi. Il y a des gens qui disent, oh non, après la mort vient le jugement. Vous ne maîtrisez même pas ce verset. Prophète, est-ce que les revenants existent? Les revenants existent. Parce que on a trop mangé la nourriture, hein, le petit déjeuner. Maintenant, on va manger la nourriture solide. Les revenants existent. Lévitique 20, verset 27. Quelqu'un peut-il être possédé de l'esprit des morts? Mais papa, quand on meurt, on va au séjour des morts, on va au paradis. Nous devons grandir. Un homme peut être habité par l'esprit des morts. Quelqu'un qui est mort, l'esprit de cet homme-là part et habite dans son corps. Amen. Je lis au nom de Jésus. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort. Et si un homme ou une femme a en lui l'esprit de quelqu'un qui est mort, l'esprit d'un mort, on n'a pas dit l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est un démon que le diable envoie sur toi pour interrompre ta vie. Ce qu'on appelle l'esprit de mort. L'esprit de mort. C'est-à-dire par un accident, par une maladie, mort subie, tout ça, c'est un démon. Il vient pour écouter ta vie. C'est ce qu'on appelle l'esprit de mort. Mais l'esprit d'un mort, ce n'est pas l'esprit de mort. L'esprit d'un mort, c'est l'esprit humain d'un être humain, mais qui est mort dans son corps. Son esprit habite en toi. Continue à lire, mon fils. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. Ok. Ici, vous voyez, on dit quoi? On dit, si quelqu'un a en lui l'esprit d'un mort, donc, on peut être possédé de l'esprit des morts.
Voilà pourquoi est-ce que les féticheurs, les magiciens aiment aller dans les cimetières. S'il n'y avait aucun esprit là-bas. Je peux poser la question. Pourquoi ces gens vont faire des incantations dans les cimetières si les esprits de tous ceux qui meurent partent? Depuis le temps des Sumériens, des Babyloniens, des Égyptiens, même dans les églises catholiques jusqu'à ce jour, il y a des croyances qui sont vraies. Nous, des fois, on n'aime pas en parler, mais qui sont vraies. Il y a toujours des rites que l'on fait pour le passage. Quand quelqu'un meurt, on fait des rites pour que son esprit aille dans un lieu de paix. Est-ce que le volume est bon? Parce que on peut même venir dans une maternité, l'enfant meurt mais on a pris son esprit. Vous n'avez jamais vu ça? On dit, ils sont venus me prendre. Cette personne ne va pas au paradis. Amen. Ni au séjour des morts. On peut aller avec son esprit au village. Amen. On peut aller avec son esprit quelque part. Et c'est quelqu'un me suit? Il est possible qu'un esprit que de quelqu'un qui est mort soit encore là, en train de rôder. Chaque fois. Je répète, chaque fois que l'on a l'habitude de voir quelqu'un qui est mort, ce n'est pas toujours l'esprit de mort. Mais des fois, c'est aussi l'esprit des morts. Nous, les chrétiens, on n'aime pas en parler. On dit seulement, quand tu rêves de quelqu'un qui est mort, il faut chasser, c'est l'esprit de mort. Des fois, ce n'est pas l'esprit de mort, mais c'est l'esprit des morts, mais qui n'a pas de repos, qui n'a pas de paix, qui continue à être utilisé. Et dans le cadre des femmes et des maris de nuit, il y a des gens comme ça. L'esprit qui est en lui, ce n'est pas un démon. L'esprit qui est en elle, ce n'est même pas un démon. C'est son oncle qui est mort, qui habite en elle. Et quand ça, c'est démon, qui es-tu? Je suis son oncle. Ce n'est pas un démon, c'est l'esprit de cet oncle, l'esprit d'un revenant qui habite en elle. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on va avancer? N'est-ce pas? Amen. Toi, tu es qui? Je suis son père. Mais papa est déjà mort. Toi, tu es qui? Je suis... Et cet esprit-là, c'est son mari, c'est sa femme. Amen. Arrêtez ces jeux-là de... Oh, mon mari, vous allez voir, ma femme, tu as un oncle qui t'appelle. Oh, elle, c'est ma femme. Lui, c'est mon mari. Il faut refuser ça. Amen. Il faut refuser ça. Ces jeux-là de... Oh, c'est mon mari. Tu as une tante qui t'appelle. Oh, mon mari. Je ne suis pas ton mari. Je suis ton neveu. Amen. Je ne suis pas ton mari, je suis ta nièce. Amen. Je ne suis pas ta femme, je suis ta nièce. Amen. Parce qu'il y a dans le monde spirituel, les paroles comptent. Amen. Les mots ont un pouvoir. Amen. On dit seulement, maintenant vous êtes marié et femme. Et c'est fait. Et c'est fait devant Dieu aussi. Amen. Mais on a seulement dit, vous êtes mari et femme à l'église. On prie et c'est fait. On a juste déclaré et c'est fait. Quand tu peux entrer dans l'eau et tu sors, rien ne se passe. Ce n'est pas pour autant un baptême. Mais quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise au nom de Jésus, je te plonge dans l'eau et je te sors. Qu'est-ce qui marque la différence là? Ce sont les paroles. Yes. Une seconde avant, j'étais païen. Une minute après, je suis chrétien. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus. On ne m'a pas mis de l'huile, on ne m'a pas mis de l'eau. Juste les paroles. Ne blaguez pas avec les paroles. Amen. Ne blaguez pas. C'est par tes paroles que tu seras jugé, parce que les paroles peuvent te lier. Amen. Évitez de jouer avec « Oh, salut, c'est mon mari. Ma, ce n'est pas mon mari, pas ma femme. Yes. » Beaucoup de gens ont créé une plateforme de porte d'entrée et quand l'esprit humain veut venir posséder une femme, l'esprit humain rattrape deux, trois paroles qu'ont sorti des autorités, des parents, sur la vie des enfants, même en blaguant. Amen. Et l'esprit entre et l'esprit possède. Et toi, tu dis, oh Jésus, ma fille, mais tu disais toi-même. Vous parlez, il y a même dans des familles où certains parents épousent les enfants. Oui, ce sont des rites et des c'est pour dire que l'enfant est maintenant sous ma charge. Mais ça se fait comme un mariage. C'est dangereux, mes frères et sœurs. Maman Lang disait à l'époque, la coutume est démoniaque. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais une bonne partie, c'est la sorcellerie. Amen. C'est démoniaque. Et tu es habité par l'esprit des morts. Ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui est dans un pays. Vous êtes dans une université. Vous avez des dortoirs ou bien tu étais au couvent. Vous étiez quelque part. Mais c'est l'esprit d'un prêtre mort. C'est l'esprit
d'un saint mort, là, qui entre en toi et qui fait de toi sa femme la nuit. Comment? Une femme comme ça, elle va demain à Bordeaux, elle va demain en Belgique, elle va demain à New York, elle va demain en Turquie, à Istanbul, à Shanghai, à Mumbai, à Los Angeles. Toi, tu la vois aujourd'hui, tu l'épouses, mais tu ne sais pas quel est son parcours. Voilà pourquoi, pardon, si tu aimes un homme, tu aimes une femme avant le mariage, il faut lui dire la vérité sur ta vie. Amen. Il faut vraiment aider cet homme à ne pas souffrir demain. Cette femme, si elle t'aime, elle va t'accepter. Amen. S'il t'aime, il va t'accepter. Amen. Fais même de ce dialogue-là le test que tu dis à Dieu. Si elle m'accepte avec tout ce que je vais lui dire, alors c'est ma femme. S'il m'accepte avec tout ce que je vais lui dire, alors c'est mon homme. Amen. Mais ne cours pas le risque d'entrer quelque part et de faire souffrir quelqu'un demain. Amen. Quelqu'un peut dire, dépistons-nous vivants. Est-ce qu'on va acclamer très fort pour le Seigneur? Avant de la définition, rapidement. Avant de la définition. Mari, femme de nuit, c'est qui? C'est l'esprit humain d'un vivant qui visite ou possède un homme ou une femme. Ok. C'est, qui est un mari ou une femme de nuit? C'est l'esprit humain. On a, maintenant, ce n'est pas un revenant, ok? C'est l'esprit humain de quelqu'un qui est vivant, qui peut visiter ou posséder une personne et faire de cette dernière son partenaire sexuel. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui est mort. Et très souvent, c'est quand on est dans une famille où le père ou le grand-père est un occultiste. Oui. Vous allez voir, cet homme est le mari de nuit de ses filles. Quelqu'un m'entend? Nous, on a vécu à l'époque de Mobutu. À cette époque, avec la Prima Curia et les arts occultes étaient vraiment comme ça. On savait que dans cette famille-là, le papa, il est le mari de nuit de toutes ses filles. Amen. Ça se passe même jusqu'à ce jour. Ce n'est pas un démon qui va coucher avec la fille. C'est le papa, soit par une projection astrale. Il visite la fille et couche avec elle. Soit c'est vraiment par une projection dont je tais le nom. Cet esprit, son esprit même part et couche avec la fille. Et même possède la fille ou bien. Et quand vous chassez l'esprit, tu es qui? Je suis son père. Et là, c'est compliqué. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors, sors. Il ne sortira pas. Tu sais pourquoi? Les deux premiers cas que j'ai donnés, ce sont des démons. Les deux autres cas que j'ai cités, ce sont des esprits humains. Jésus a dit, voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Premier miracle, c'est quoi? Ils chasseront les démons en mon nom. Un démon est chassé au nom de Jésus. Mais pas un esprit humain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que le volume est bon? Un démon, tu peux, démon sort, il sort. Démon part, il part. Toi qui habites, toi qui visites, toi démon, sort, sort, sort. Je le chasse, le démon sort. Parce que Jésus a dit, les démons vont sortir au nom de Jésus. Déjà que les femmes et les maris de nuit sont les démons, sortent difficilement. Vous allez faire des prières au nom de Jésus, et puis l'esprit sort après. Mais un esprit humain, on le chasse au nom de qui? Mais un esprit humain, on le chasse au nom de qui? Maintenant, si c'est son père, on le chasse au nom de Jésus, parce que ce n'est pas un démon. Voilà pourquoi, dans ces genres de cas-là, à part le nom de Jésus qui est cité, l'esprit de prophétie vous donnera une directive. L'esprit de Dieu vous dira, pour ce genre de cas, faites la Sainte Cène. Pour ce genre de cas, faites 21 jours. Pour ce genre de cas, jetez de l'eau. Pour ce genre de cas, faites quoi? Ou bien, priez de 1h à 4h45. Tant que vous n'allez pas obéir aux instructions prophétiques, l'esprit humain ne va pas partir. Parce que ce genre d'esprit-là ne sont pas des démons. Ce sont des hommes. Ce sont des, surtout un revenant. Son esprit a maintenant trouvé un domicile. Toi, tu vas le chasser. Tu es qui? Il ne parle pas au nom de Jésus parce que ce n'est pas un démon. C'est un esprit humain. Quelqu'un sent que c'est important que j'introduise comme ça? Parce que je ne veux pas ici vous dire tout ce qu'on vous dit d'habitude. Oh, l'esprit de mari de nuit te donnera des fois des mauvaises odeurs sur ton corps. Ce n'est pas juste ça. Il faut que tu saches clairement à quel niveau tu es ou à quel niveau tu étais. Quelqu'un m'entend? Un esprit humain, on ne le chasse pas qu'au nom de Jésus.
Est-ce que c'est que le nom de Jésus est impuissant? Non. C'est seulement que parce que ce n'est pas un démon, c'est l'esprit humain d'une personne qui a une volonté, on ne peut pas la faire sortir de là comme on veut. Et Dieu dira, pour telle personne, allez couper les cheveux. Mais pour tel cas, que la personne puisse se laver à telle heure avec tel produit. Parce que ce n'est pas un démon, c'est un homme. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est vraiment l'homme qui habite dans le corps. Ou bien qui visite la personne. Là, c'est autre chose. Et c'est souvent dans les maisons où on a des parents qui sont de la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans des loges occultes, que des hommes peuvent connaître leurs filles. Certains vont sur le plan physique, d'autres vont sur le plan astral et possèdent les corps. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Mais dans le nom de Jésus, je viens comme un grand esprit, avec l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Le Père de lumière est le Père de tous les esprits. J'ordonne à cet homme qui habite en toi de te lâcher. J'ordonne à cette femme qui habite en toi de te lâcher. Tu seras habité uniquement par le Saint-Esprit. Amen. Et par ton esprit humain. Tout autre esprit n'est pas le bienvenu en ton nom de Jésus. Je leur donne et le commande de partir. Amen. Je leur donne, étendez les mains, je leur donne et le commande de lâcher ta vie au nom de Jésus. Je leur donne et le commande de lâcher ta vie au nom de Jésus. Prions pendant une minute. Là-bas, Père, dans le nom de Jésus, que tout esprit qui habite dans le corps, que tout esprit qui possède le corps, lâche. Lâche, 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 parte, libère, libère, libère cet homme qui habite ton corps. Alors que tu suis ce live, laisse que cet homme sorte, laisse que cette femme sorte. Si c'est un revenant, qu'il parte. Si c'est l'esprit d'un homme qui est vivant, qu'il lâche ton corps. Tu seras habité et rempli par le Saint-Esprit et non par un autre esprit qui est d'un homme vivant ou d'une personne qui est morte. Sois libéré. Be free in the mighty name of Jesus. Be free in the mighty name of Jesus. Le sang de Jésus parle contre toi. Tu sors de ce corps. Tu lâches cette vie. Ah, ils sont fiancés. Libère leur vie. Ils sont déjà mariés. Libère leur vie. Be free in the mighty name of Jesus. La bradia satarabasande. La bradabasaka. Cinquième définition. Quelle gloire ce soir. Est-ce que nous sommes bénis? Quelle présence de Dieu ce soir. Je vais chuter et je vais vous laisser ici. Cinquième définition. Marie, là maintenant, c'est le plus haut niveau. Ce niveau-là, ce n'est pas le niveau des démons. Ce n'est pas le niveau des revenants. Et je vous dis ça, j'ai vu ça dans aucun livre, dans aucune vidéo. C'est les choses que j'ai par expérience et que j'ai eues par intelligence spirituelle. Parce que ça, c'est mon monde, ça, c'est mon domaine. Dernier niveau. Ça, ce n'est pas un démon, ça. Ça, c'est autre chose. Si c'est autre chose, alors c'est quoi? Ça, c'est pas un esprit humain. C'est même pas un revenant. Est-ce que je peux en parler? Donnez-moi beaucoup de cœur là où vous êtes. Partagez. Écoutez-moi, allez au bas de l'écran, continue à partager, à inviter tes amis. Quelqu'un que tu as invité était peut-être occupé, maintenant il va entrer. Faut au bas de l'écran, dans 30 secondes, Ahmed Femassine, et je vais vous parler la cinquième définition. Et ça, c'est pas le niveau des esprits. Ce n'est pas le niveau des démons. Là, maintenant, je monte au dernier niveau. La sabradi yassatarabasaka. Dans 30 secondes, Fmassine. On peut dire 7 fois victoire. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Au nom de Jésus, 3 fois. Commande. 1. 2. 3. Amen. La cinquième définition. Marie, femme de nuit. Cet esprit qui vient pour connaître un homme et une femme, le jour ou la nuit. Tu sais c'est qui? Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un esprit humain, même d'un revenant ou d'un vivant. Ces esprits qui viennent coucher avec des hommes ou des femmes. La cinquième définition, c'est un ange déchu. Là, ce n'est pas un démon. C'est un ange déchu. C'est parmi les étoiles. Les anges qui sont descendus avec Lucifer du ciel. Un ange, un esprit peut lui-même venir et connaître un homme et connaître une femme. Et même, dans certaines occasions, Lucifer lui-même, le prince des ténèbres, le dragon, celui qui demain va initier la sortie de la bête, qui va initier la sortie de la bête qui monte de la mer.
qu'on appelle l'antichrist, de la bête qui monte de la terre qu'on appelle le faux prophète, qui va s'établir dans le nouvel ordre mondial. Lucifer lui-même, l'étoile du matin, le fils de l'aurore, celui sur qui Dieu avait mis le sceau à sa perfection. Des fois, lui-même, Lucifer, peut prendre une femme parmi les filles des hommes et la connaître physiquement. Là, mon frère, ma soeur, ça c'est autre chose. Ces gens de cas de délivrance, c'est autre chose. C'est quand des personnes ont été vraiment vouées, préparées, initiées comme Esther. Ok, des femmes préparées qui deviennent des prêtresses dans des hautes loges occultes. Qui font partie des hauts niveaux, qui sont des hauts gradés dans le monde des ténèbres. Ils sont sur la terre, ils ont des bureaux à Wall Street. Ils ont des bureaux au Burj Khalifa. Toi, tu te dis, waouh, c'est beau. Le jour où je suis allé à Dubaï, Dieu m'a dit, ça c'est la nouvelle Babylone. L'homme veut prouver qu'il est au niveau de Dieu. Il y a la mer, pardon, il y a le désert, mais il crée la mer. Il y a la mer, mais il crée le désert. Il y a l'eau, mais il crée un hôtel en dessous. Il défie les lois de la nature pour montrer qu'il est au niveau de Dieu. L'une des habitations physiques de Lucifer, c'est au niveau de Dubaï, même dans les Émirats. Lui-même en chair et en os, où l'un de ses généraux, l'un des anges déchus, peut connaître une femme, peut connaître un homme. Et ça, ce n'est pas n'importe quelle dimension de délivrance. Des fois, ils vont lier cela avec le fait de boire le sang. C'est des grands pactes de sang. C'est des sacrifices. Et ce sont des personnes, des fois, qui sont hautement placées. Ou bien qui ont des grandes étoiles. Vous savez que les étoiles existent. Satan voit que cette personne est appelée à être une grande prophétesse. Alors qu'elle passe, les voyantes commencent à la récupérer avec des prophéties, ça et là, et on la tire, et puis on l'emmène à devenir une prêtresse. Et des fois, ce sont des anges haut placés, haut gradés, qui viennent la nuit et couchent avec elle. Des fois, c'est au milieu des pentacles, alors qu'ils sont en train de faire des cérémonies occultes et d'adorer Satan, qu'un ange déchu vient et connaît une femme sur le champ. Frère, ça c'est autre chose. Voilà pourquoi, quand on parle de ces histoires, ne joue pas et ne blague pas. Parce que ta vie est en jeu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui est beau. Voilà pourquoi vaut mieux peu avec Dieu et la paix qu'avoir beaucoup avec des pactes sataniques. Le plus important, ce n'est pas où tu es, mais avec qui tu es. Vaut mieux être dans une petite bicoque avec Jésus, avec la paix, en dormant dans la paix, qu'être quelque part à Paris, qu'être quelque part en Suède, aller quelque part avec un homme au Mali, un millionnaire, un milliardaire, un El Hadj, un homme très influent dans le monde musulman, un homme très influent dans certaines sectes, et livrer ta vie à Satan. Le monde dans lequel on est sous la puissance du malin. Et quelqu'un va me poser la question, prophète, comment un ange déchu peut coucher avec une femme? Je conclue ici mon message. Est-ce que je peux conclure? Les gens me posent la question en disant, c'est pas possible, prophète, parce que Jésus a dit qu'au ciel, à la résurrection, nous tous ici, nous allons être comme des anges. Parce que les anges ne sont ni hommes, ne sont ni femmes. Alors c'est totalement impossible qu'un ange puisse avoir un sexe. C'est totalement impossible qu'un ange déchu puisse coucher avec une femme. Qu'un ange déchu puisse coucher avec un homme. C'est impossible, prophète, c'est pas possible. Parce que Jésus a dit qu'à la résurrection, ils seront comme des anges dans les cieux. C'est ça? Ils seront comme des anges? Mais la réponse est là. Ils n'auront ni sexe d'homme et de femme parce qu'ils seront comme des anges dans les cieux. C'est ça la réponse. Mais quand les anges sont dans les cieux, ils n'ont pas de sexe. Amen. Mais quand les anges sont sur la terre, oh mon Dieu, est-ce que je peux parler ici maintenant? Je parle ici pour conclure. Est-ce que je peux accélérer? Quand les anges sont dans les cieux, ils sont ni mâles ni femelles. Mais quand un ange vient sur la terre, les fils de Dieu, les béné Elohim, lorsqu'un ange peut porter un corps, il peut avoir le corps d'un homme, avoir le corps d'une femme, avoir un sexe, avoir de l'eau, avoir du sang, être un être humain comme tout le monde. Ils étaient avec Elohim devant Abraham, aux chaînes de Mamré.
Ils ont mangé là. C'était des anges. Et les deux anges sont partis. Dieu est resté avec Abraham. Les deux anges sont partis. Vous allez voir dans Genèse 18, Genèse 19. On dit les deux hommes sont entrés à Sodome et Gomorre. Ils sont entrés chez Lot. Et les habitants de Sodome et Gomorre voulaient coucher avec eux. Pour faire la sodomie. Alors, est-ce que je peux avancer ici? Les anges dans les cieux n'ont pas de corps. Mais un ange, quand il vient sur la terre, il peut avoir un sperme. Amen. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Il peut avoir un corps. Il peut avoir un corps humain. Un ange dessus peut avoir un corps humain et connaître une femme et avoir un enfant. Amen. Je termine par ce témoignage. L'un des pasteurs dont je tais le nom, a traité le cas d'une délivrance. Parce que vendredi, maintenant, est-ce que vendredi on peut être là? Amen. Vendredi, on va creuser encore. Le pasteur a traité un cas de délivrance. Écoutez-moi très bien. Elia. Le cas de délivrance, c'était le cas d'une femme. Cette femme était bien avec son mari. Un moment, séparation de corps, dispute dans la maison. Et cela a pris 3 mois. L'homme et la femme ne se touchaient plus. Ne me touchent plus aussi. Faites attention. Il est écrit, ne vous privez pas l'un à l'autre. Pour ne pas donner un accès au diable. Et la femme, 3 mois après, elle dort. Elle fait un songe. Elle voit un homme qui vient, un bel homme, plus beau que son mari. Et cet homme couche avec elle. L'homme couche avec elle une fois, deux fois. Et elle parle avec cet homme la nuit. Et elle a dit à cet homme, je sens que je suis enceinte. La femme se réveille, moins d'une semaine après. Et la femme réalise qu'elle avait tous les signaux extérieurs qu'elle était enceinte. Elle avait peur, elle essaie de gérer avant un mois, comme c'est une femme. Voilà pourquoi les femmes cachent beaucoup de secrets. Hein. La seule personne qui sait si toi, tu es la fille ou le fils de ton père, ou la fille de ton père, c'est ta mère. Et excusez-moi, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est vrai, les tests ADN qui ont aidé. Mais avant, et même si vous ne parvenez pas à ça, la seule personne qui connaît le secret, si tu es vraiment le fils de ton père, ou le fils, ou la fille de ton père, c'est maman. Les mamans cachent beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets. Maman fait la marmaille, elle séduit son mari, elle couche avec lui parce qu'elle avait peur que le mari découvre qu'elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Et ça se passe. Et le mari voit que sa femme est enceinte. Et pourtant, elle l'était déjà avant, bien avant cela. 9 mois après, l'enfant naît. Cet enfant, dès le jour où l'enfant est né, maladive, c'est une fille. Malade. Quand l'argent entre un peu, hôpital. Quand il n'y a plus d'argent, l'enfant est au monde santé. Quand il y a un peu d'argent, hôpital. On commence à vendre les voitures. On vend ceci, on vend cela. On se pose la question, cet enfant vient d'où? Cet enfant vient d'où? C'est un ange déchu qui est venu. Un ange déchu. C'est là que je vais maintenant vous expliquer la différence qu'il y a entre les démons et un ange déchu. Parce que certaines personnes, mais le prophète a déjà parlé des démons. Le démon n'est pas un ange déchu. Amen. Le démon n'est pas... Est-ce que je peux expliquer ça? Amen, tu me permets? Le démon n'est pas un ange déchu. La théologie évangélique nous a menti. Dans la démonologie, qu'est-ce qu'on fait? On prend les démons, on les met là où il y a des anges déchus. C'est faux. Les démons ne sont jamais descendus avec Lucifer du ciel. C'est faux. Oh, tu n'as pas entendu. Amen. Les démons ne sont jamais descendus du ciel. Les démons n'ont jamais habité le ciel. Amen. Les anges déchus, oui. Mais les démons, non. Alors, qui sont les démons? Qui sont les démons? Frère, partage-moi. On est 1800 ici. Partagez-moi ce live. On va sortir des choses ce soir, je vous dis. Ce n'est pas une prétention. Je vous révèle des choses que vous allez rarement entendre. Mais pour votre délivrance et pour votre libération. Les anges déchus qui sont descendus le 1/3 des étoiles du ciel ne sont pas les démons.
Les démons n'ont jamais vécu au ciel. Je répète, les démons n'ont jamais vécu au ciel. J'insiste, les démons n'ont jamais vécu au ciel. La preuve, les anges déchus ne possèdent pas des gens. Quelqu'un m'entend? Ici, quand je parle des anges déchus, je n'ai pas dit un ange déchu qui habite dans quelqu'un. Un ange n'habite pas un corps. Mais le démon, si. Il y a une différence. Est-ce qu'on peut avancer? Je suis en train de chuter ici. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon ce soir? Ce confinement est venu pour ta bénédiction. Ce confinement est venu pour ta délivrance. Ce confinement est venu pour ta libération. Je veux te voir partager ce direct. Invite tes amis. Donne-moi des cœurs. On est en train de monter. Est-ce qu'on est en train de monter? Amen. Dis avec moi fire. Fire. Encore fire. Fire. Encore fire. Fire. Le démon n'est pas un ange déchu. Amen. J'ai commencé à expliquer, n'est-ce pas? Un ange, quand il est sur la terre, il peut avoir un corps. Il peut connaître une femme. Il peut avoir des enfants. Oui. Genèse 6, verset 1. On dit, les Béné Elohim, les fils de Dieu, étaient descendus. Quelqu'un peut me dire, parenthèse, et je passe. Hein, je passais seulement. Quelqu'un peut me dire, mais c'était avant. Je vais vous choquer. Il n'y a pas eu une seule rébellion au ciel. Et il est possible que les rébellions continuent. Job 4, 18, il dit ceci. Job 4, 18. On dit, et si Dieu n'a pas confiance en ses anges? Come on. Avance, papa. Il n'y a pas eu une rébellion au ciel. Il y a Lucifer qui est descendu. Genèse 1, verset 2. Il y a Genèse 6. Ok? Certains juifs disent aussi Genèse 11, lors de Babylone. Et les autres fils de Dieu qui se sont rebellés, qui se rebellent. Je ferme la parenthèse. Alors, qui sont les démons? Les fils de Dieu, les anges déchus, ont connu les filles des hommes et ils ont eu des enfants, qu'on appelle les Néphilim. Ça, je vais expliquer ça dans un live spécial que je ferai bientôt, un dimanche soir. Je vais vous expliquer qu'il existe encore des géants aujourd'hui. Ils sont dans les hautes fonctions de la société. Ils sont la crème de la crème, l'intelligence, il y a du monde. Ils sont dans les combats de catch. Ils sont à la MMA. Oh, est-ce que je peux parler ici? Il y en a dans beaucoup de secteurs. Dans les boîtes de nuit, dans les films pornographiques, dans l'industrie du porno. Ils sont pleins, elles sont pleines là-bas. Amen. Quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que je disais? On parlait de Néphilim. Des Néphilim? Ok. Les Néphilim maintenant sont cette race hybride d'hommes et de femmes mixés, mélangés. N'est-ce pas? Et ce sont des êtres humains qui ont peuplé toute la terre. Dans le même chapitre, vous allez voir, on dit, et Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, parce qu'il était parfait, il était intègre. En hébreu, ça ne veut pas dire il était pieux, ça veut dire il était génétiquement pur. Amen. En d'autres termes, sur toute la terre, il n'y avait plus d'êtres humains purs. Il n'y avait que ce qu'on appelle la postérité du serpent. Come on. Je peux expliquer? La première fois que l'évangile a été prêché, ce n'était pas dans Jean 3,16, c'était dans Genèse 3,16. La première fois que l'évangile a été prêché, ce n'était pas dans Jean 3,16, mais dans Genèse 3,16. Il a dit, et j'établirai l'inimitié entre ta postérité, il parle au serpent, ok, et la postérité de la femme. La postérité de la femme et la postérité du serpent, ces deux semences sont celles qui se combattent jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le prophète peut déchirer ici? Oh mon Dieu, mon roi, est-ce que quelqu'un... Écoute-moi, toi partage seulement. Demande de l'aide parce que je vais entrer. La première fois, et puis Dieu finit en disant, il dit, mais toi, tu vas mordre au niveau du talon. Mais la postérité de la femme va t'écraser au niveau de la tête. Alors, Satan savait depuis ce jour-là qu'au travers de la femme sortira celui qui va le vaincre. Amen. 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 C'est pour cela que Lucifer et d'autres anges déchus
dans Genèse 6, ont décidé que des anges descendent pour coucher avec les filles des hommes, voilà, pour souiller. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelqu'un comprend maintenant ce que je veux dire? Pour souiller la race humaine, afin qu'il n'y ait plus la possibilité de la semence de la femme de sortir. Donc, ce qu'on appelle les Néphilim, ou cette race hybride, c'est ce qu'on appelle la semence du serpent. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est cette race des géants qu'on a eu, même de la terre promise. Christian, tu m'entends? C'est pour ça que tu verras, dans la terre promise, Dieu est génocidaire. Est-ce que Dieu aime tuer les gens? Non. Dieu a dit, vous allez tuer Josué. Josué avait du main dans le sang. Du sang dans les mains. Mais c'était le sang des Néphilim. Va à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué a laissé ces trois villes. Gaza, Gath et Asdod dans Josué. Il a laissé, alors que là, il y avait aussi des Néphilim. C'est Asdod qu'on avait emmené l'arche, qu'on avait frappé les enfants d'Israël à l'époque de Samuel. C'est de Gaza qu'est sorti Delila, qui a fait tomber Samson. Et Delila était de la race des Néphilim. Oh, mais comment un homme peut dormir sur une femme, on le coupe les cheveux, il ne sent rien. Comment? Il y avait de la magie dans ce qui se passait. Et c'est de Gath qu'est sorti Goliath de Gath. Est-ce que je peux... Donne-moi le piano. Est-ce qu'on peut vraiment percer ici? C'est de là qu'est sorti Goliath de Gath. Goliath de Gath n'avait pas la même taille que les êtres humains. Il avait... Un grand nombre de doigts et d'orteils. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on avance ici? Est-ce qu'on avance ici? Et Goliath était un Néphilim. Goliath était de la postérité du serpent qui combattait avec David. Avec David. Avec David de la tribu de Juda. Suivez-moi ici. Non, c'est pas grave. Laissez le piano. Suivez-moi ici. Suivez-moi. Soyez connecté. Est-ce qu'on va clamer très fort pour Jésus? Très fort. Labradabashaka. Est-ce qu'on est là? Donnez-moi la main plus fort que ça. Amen. David était de la race des géants de Dieu. De la race de là où allait sortir le Shiloh. Le puissant de Jacob. Et lorsque Goliath est tombé par l'effet de la pierre de David, Goliath est tombé à terre et il est écrit que David a coupé sa tête et il a mené sa tête à Jérusalem. Lisez ça dans 1 Samuel. Il a mené la tête de Goliath à Jérusalem. La tête, il a laissé le corps. Il a mené la tête à Jérusalem. Labradabasaka. Le diable a dit, il faut toujours que je cherche. Que je cherche, parce que je dois attaquer la postérité de la femme jusqu'au jour où il vint un bel homme de 30 ans, le plus beau d'entre 10 000. Jean le Baptiste l'a regardé, il a dit, voici cette fois-ci, voici qui? L'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Et Jésus est venu durant 3 ans et demi, il a manifesté un ministère puissant. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a chassé les démons plus que les prédications. Ah mon Dieu. Jésus a plus chassé les démons que les prédications qu'il a prêchées. Vous savez pourquoi? Pourquoi Jésus avait la colère? À la fin, il fait partir, il dit, oh mes enfants, écoutez-moi. Voici les miracles qui accompagneront. Il n'a pas dit, ils prieront pour les malades. Il n'a pas dit, ils buvront des breuvages. La première chose, ils chasseront des démons. Tu sais pourquoi? Qui sont les démons? Qui sont? Posez-moi la question. Les démons sont les esprits des Néphilim qui sont morts. Quand les anges sont morts dans le déluge, quand ces êtres-là sont morts dans le déluge, les esprits-là ne sont pas morts. Ces esprits-là, c'est ce qu'on appelle les démons. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à vivre sans un corps. Parce qu'ils étaient dans un corps. Le démon ne vient pas du ciel. Le démon est l'esprit sans corps d'un être qui vient d'une relation entre un homme et un ange déchu.
Amen. Faut pas tomber, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà pourquoi la postérité de la femme qui s'appelle Jésus, le jour où il allait accomplir l'évangile prêché dans Genèse 1, 15 à 16, Jésus a pris le bois et il est allé dans un lieu qu'on appelle le lieu du crâne. Le lieu du crâne. Le lieu du crâne. Le crâne de qui? On appelait ce lieu Golgotha. Amen. Amen. Le lieu du crâne. Amen. Le crâne de qui? Amen. C'était le crâne de Goliath. Ah. Aïe, 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 aïe. C'était le crâne de Goliath. Amen. David avait emmené le crâne à Jérusalem. Amen. Et c'est là qu'il y avait un lieu spécifiquement où on a placé ce crâne. Et quand Jésus est allé, il a pris la croix, on a placé la croix, on a mis la croix sur le crâne et son pied était sur le lieu du crâne pour accomplir la prophétie. Tu vas le mordre au niveau du talon. Voilà pourquoi il y avait un clou au niveau du talon. Mais toi, tu vas l'écraser. Ayabasha. Oh my God, my God, my God. My God, my God. Ce jour-là, Jésus a vaincu la postérité du serpent. Quelle parole! Ici, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de miracle. Hein? Juste la parole. Y a-t-il quelqu'un qui aime la parole ici? Voilà pourquoi Jésus a dit, hein? Chassez les démons. Chassez les démons. Parce qu'ils sont la postérité du serpent. Et Jésus a accompli la prophétie. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort que ça? Excellent Père, au nom de Jésus-Christ, ce soir, tu m'as permis d'exposer les bases afin que lorsqu'on va entrer en profondeur, que ce soit d'autres révélations qui sortent. Et par-dessus les révélations, que ce soit vraiment des vraies délivrances pour donner à ton peuple une vie épanouie dans le repos et dans le bonheur. Je bénis ces hommes et ces femmes, Père, qui ont écouté cette parole ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Combien ont été bénis ce soir? Nous donnons toute la gloire à Jésus pour ce qu'il a fait. Donnez-moi 2 minutes et je vous lâche ce soir. Première chose, partagez ce direct. Faites part à un grand nombre de personnes des révélations inouïes qui sont sorties ici. Et pour ceux qui ne savent pas, on vit avec ça tous les jours à la porte des cieux. C'est une source, c'est un lieu de révélation. Il n'y a pas que des miracles, pas que des prophéties. Vous êtes ici à la porte des cieux et nous donnons à Jésus la gloire pour ce qui vous a révélé ce soir. Partagez ce direct. Tous ceux qui sont avec moi sur Instagram, coupez-moi ce live, mettez-le, partagez un grand nombre de personnes afin qu'ils soient connectés ce vendredi, parce que ce vendredi, on va maintenant entrer en profondeur du sujet. Autre chose, vous voulez, après ce message, vous vous dites, ah, je suis tellement béni, j'ai jamais entendu ça, ou bien j'ai entendu ça autrement, le message du prophète me bénit, je suis vraiment béni. S'il vous plaît, nous avons besoin que vous puissiez nous tendre la main. Vous pouvez honorer cette onction, honorer ce ministère, honorer cette grâce que Dieu vous a donnée dans la francophonie avec votre générosité. Ce n'est pas une imposition, mais c'est une marque d'amour, une marque de reconnaissance, une marque de respect. Il y a des choses qu'on reçoit ici, sincèrement, qui sont rares, qui sont, comme on dit, inédites. Je ne dis pas parce que c'est moi, mais parce que des fois, je m'assois et j'écoute ce que je dis. Je dis, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Alors, s'il vous plaît, ne restez pas indifférents. Vous pouvez nous tenir la main. Pourquoi pas demain, on a une chaîne de télévision? Pourquoi pas, on a une station radio qui passe sur Internet? Et tout ça, ça demande des moyens financiers. Ma part, c'est de jeûner, de prier, de vous amener ces révélations. Ça fait 2 mois, je prêche chaque semaine, presque tous les jours, et des messages qui ne se répètent pas. Vous pouvez aussi me tenir la main afin qu'on fasse des grandes choses. Alors, c'est très simple. Sur cette vidéo, il y a plusieurs liens. Le premier lien, on est Kimakabo. N'envoyez pas votre sémence sur le site internet. Cliquez plutôt sur le lien la Makabo qui est sur la vidéo. Vous cliquez, vous pourrez envoyer votre offrande par PayPal, Mastercard ou carte Visa. OK? Ou bien, si ce n'est pas possible, vous voulez envoyer par Western Union ou MoneyGram, il y a un numéro de téléphone plus 243 81, je crois 400, c'est quelque chose comme ça.
vous écrivez en WhatsApp sur ce numéro-là, on vous donnera les coordonnées. C'est un numéro safe. N'envoyez pas par un autre numéro. Par ce numéro-là, écrivez, on vous enverra les coordonnées, vous enverrez et nous allons recevoir ce que vous avez à donner. Ou même, vous vous dites, prophète, j'aimerais peut-être donner quelque chose de matériel, des instruments, un micro, des baffles, des instruments pour la porte des cieux, faire quelque chose sur le plan technologique, même des ordinateurs. Ils en ont besoin, on a besoin d'augmenter l'équipe parce qu'on se prépare pour lancer Power Channel, n'est-ce pas? Et on a besoin des moyens. J'ai besoin, maintenant là, je ne parlais pas de ça, mais maintenant j'aimerais vous dire, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi, maintenant là, j'ai besoin de vous. Alors s'il vous plaît, ne restez pas indifférent. Ça peut être 10 000 euros, 5 000 euros, 3 000 euros, 2 000 euros, 1 000 euros. Vous voyez comment par DHL, par une autre voie, les gens commencent à voyager déjà d'ici vendredi. Il y aura le premier vol, même si vous êtes en France, à Paris, vous pourrez envoyer. Et ce que vous donnez va vraiment nous permettre d'avancer. Dieu m'a donné un fardeau, il m'a donné une grâce, il m'a donné... J'ai beaucoup de grâces que Dieu m'a données, mais je crois que le monde en a besoin. Aidez-moi, s'il vous plaît, à emmener ceux qui vous bénissent à des milliers de personnes. Imaginez-vous que ce culte passe à la télévision, sur notre chaîne. Ça passe chaque soir. Combien de gens seront bénis par ce message? Alors ne restez pas indifférents, matériellement ou financièrement. J'ai besoin de vous. Faites quelque chose et maintenant. Et de beaucoup plus simple, sur le statut de ce live, le deuxième lien, c'est le lien de la fondation. Ce n'est pas une obligation, mais vous voulez envoyer quelque chose pour les personnes que l'on aide ici, vous pouvez le faire. Mais le troisième lien, c'est un lien Telegram. C'est là où maintenant nous rassemblons toute la famille de la Porte des Cieux, ceux qui prient ici ou qui sont seulement connectés à mon onction, connectés à l'hôtel. Téléchargez Telegram sur votre téléphone et cliquez sur le lien. On vous donnera directement l'accès